J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir enregistrer un document Excel en PDF. Donc comment le faire rapidement et simplement. Donc suivez bien ce tuto jusqu'à la fin. Donc comment faire? Alors c'est très simple, mais si vous ne le savez pas, parce que tout le monde ne sait pas comment faire, et ben vous allez ouvrir un document Excel. Donc comme vous pouvez voir, donc moi c'est un document vierge, ne vous inquiétez pas. Donc une fois que vous avez ouvert votre document Excel, on va aller tout en haut sur la barre d'outils de votre ordinateur. Vous allez cliquer sur Fichier comme ceci. Une fois que vous avez cliqué sur Fichier, on va cliquer sur Enregistrer sous comme ceci, bien évidemment. Et là, c'est là qu'on va pouvoir choisir en fait le type de format du fichier. Juste ici, vous pouvez voir à l'aide de l'écran. Et là, on clique sur donc classeur Excel et là, on aura le PDF. Vous cliquez sur PDF et vous allez cliquer sur Enregistrer. Et là, vous pouvez voir qu'on a donc PDF. Vous pouvez choisir si vous voulez l'avoir sous forme de classeur, soit enregistrer les feuilles ou autre, ou même faire une sélection. Ça dépendra que de vous. Mais pour pouvoir mettre en PDF, vous faites format du fichier, PDF et enregistrer. Voilà, maintenant que vous savez comment faire pour pouvoir enregistrer vos documents Excel sous forme de PDF, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, ça nous aidera beaucoup, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager cette vidéo à une personne qui désire savoir enregistrer ses documents Excel sous forme de PDF. C'était la chaîne Wikitéo, à bientôt.